Allez, bonjour et bienvenue sur universimu.com. Aujourd'hui, on va faire un petit survol de l'Ukraine. Alors, pas pour aller voir ce qui se passe, hein. Alors, cette vidéo n'a absolument pas lieu d'être une vidéo polémique. On va pas parler de politique, on va pas parler de guerre. C'est juste que moi, personnellement, je connais pas spécialement l'Ukraine, que j'aimerais vraiment savoir un petit peu de quoi on parle, de quel pays on parle, où est-ce que ça se situe, qu'est-ce qu'il y a, est-ce que c'est très vallonné, est-ce que c'est beaucoup de champs, voilà, j'ai besoin de savoir un petit peu tout ça. Je vais partir du nord de l'Ukraine pour ce petit vol en F-18 Super Hornet. Alors, encore une fois, je suis pas là pour voler, hein, c'est vraiment pour faire de la découverte de régions, de paysages. On va pas critiquer ma façon de voler, vous savez très bien que c'est pas du tout le but. Je ne suis pas expert. Donc on va partir du nord, on va survoler la centrale de Tchernobyl. On va passer au-dessus de Kiev et on va descendre sur la Crimée avant d'aller se diriger vers l'ouest sur les frontières russes. Bah, nous voilà en jeu, prêts à voler. Alors il n'y avait pas d'aéroport de disponible dans cette partie, donc le départ se fait directement en vol. On va mettre plein gaz. Si j'ai pris le F-18 Super Hornet, encore une fois, c'est pas parce que j'ai envie de piloter cet avion-là. Vous savez très bien mes capacités de pilotage. C'est vraiment que il va très vite et que on va pouvoir traverser. Je pense que la vidéo devrait durer à peu près une heure et je vais découper tout ça par chapitre sur YouTube pour pouvoir vous repérer plus facilement. Si vous avez envie d'aller directement à Kiev, vous allez sur la petite balise en bas Kiev. Si vous voulez aller voir la Crimée directement, vous allez sur la balise directement la Crimée. Allez, on est parti. Allez, on va mettre plein gaz, on va descendre un petit peu. Alors, notre premier point de passage est à 40 km, il s'agit de la centrale de Tchernobyl. On va voler un petit peu à plus basse altitude pour voir un petit peu. Alors, ça a l'air d'être très forestier dans la partie nord, mais aussi très plat. Alors c'est vrai que Flight Simulator a tendance quand même à masquer un petit peu les reliefs, surtout quand on est en altitude, on les voit pas forcément bien. Mais là pour le coup j'ai pas l'impression qu'il y a plus de relief que ça en Ukraine, en tout cas dans cette partie-là de l'Ukraine. Alors il y a peut-être juste une petite chose que je vais faire, c'est que j'ai pas envie de voler avec le soleil en pleine face. Donc on va peut-être juste modifier le temps. Hop, voilà, on va se mettre plutôt dans l'après-midi. Alors cette partie-là, si elle est très verte, c'est peut-être aussi que, comme il y a eu la catastrophe de Tchernobyl, c'est une zone qui ne doit, à mon avis, plus être habitée ici. Donc... la nature a dû reprendre un petit peu ses droits, et c'est vrai que souvent quand on entend, quand on regarde des reportages sur la catastrophe de Tchernobyl, c'est ce qu'on entend, c'est que la nature tout a repoussé, il y a des animaux, voilà, là on y arrive, là on arrive sur le site. On arrive sur le site. Alors je pense pas que tout a été modélisé. Et alors, est-ce que ce qu'on voit en dessous, c'est le fameux sarcophage de la centrale? Il semblerait, ça y ressemble en tout cas. Ça y ressemble à une zone totalement déserte. Hein. Bon, on va pousser un petit peu.
On va pousser le prochain point, c'est Kiev, c'est la capitale, c'est le lieu en ce moment dont on parle énormément avec le conflit avec la Russie. On va pousser un petit peu et puis bon, je vais enlever la, je vais garder la carte VFR, quoique je vais l'externaliser comme ça, elle vous gênera pas. Je vais enlever aussi ma tête, comme ça elle vous gênera pas non plus. Et puis on est parti.
Voilà, donc là on arrive sur Kiev, la capitale. On voit que ouais, c'est tout de suite déjà la ville un peu plus grosse que ce qu'on est en train de survoler depuis tout à l'heure. C'est assez joli quand même, hein. C'est très très forestier. Alors moi ce vol je l'ai fait hier, c'est pour ça que je vous le propose, parce que je me suis dit bah il y a peut-être que je suis pas le seul à ne pas connaître vraiment l'Ukraine, à quoi ça ressemble, et du coup c'est pour ça que je vous propose cette vidéo. Hier j'ai fait le vol. Et c'est vrai que la partie nord, je n'avais pas faite. J'ai fait vraiment la partie, je suis parti de l'ouest et je l'ai traversé d'ouest en est. Et ce que j'ai vu, c'est que c'était extrêmement agricole. Je ne suis pas passé par Kiev. Là, je découvre, je vois qu'il y a un énorme stade. Je vois que voilà, il y a une rivière, enfin un fleuve en tout cas qui y passe. Donc ce que je disais, c'était que c'était très très forestier dans la partie nord par rapport à ce que vous allez voir après. Vous allez voir que après, c'est vraiment vraiment changement de décor. Le relief est relativement plat quand même, vraiment très très plat. Donc là on va traverser l'Ukraine, hein. on est vraiment encore dans la partie nord. Et on va se diriger, ouais, il y a 600 km hein, jusqu'à la Crimée. Alors je ferai peut-être une petite coupure, je vais peut-être pas vous faire l'heure de vol complète, mais ce que je voudrais vraiment que vous voyez, c'est... Bah c'est un petit peu ce qu'on commence à voir là, c'est-à-dire des champs à perte de vue, et c'est pas des petits champs. Hein. Là on est en vol, donc on a vraiment l'impression que c'est petit, mais en fait c'est vraiment gigantesque. On a, je dirais presque, on a l'impression d'être sur des champs à l'américaine. C'est vraiment énorme. Alors je sais pas quel type de matériel agricole ils ont. Je sais que j'ai discuté avec une firme de matériel agricole il n'y a pas longtemps, qui a comme client pas mal d'élevage en Ukraine, et qui me disait qu'en effet en Ukraine il y a des très très gros élevages, quoi. Des très très gros élevages, des élevages à 400 bovins, il y en a, quoi. C'est normal. Allez, je vous quitte deux petites secondes. Moi, je vais aller continuer de piloter. Je vais faire tout droit. Je vous laisse contempler le décor. Encore une fois, j'ai peut-être coupé un petit peu, mais je vais pas forcément faire de commentaires sur ce vol. Encore une fois, je découvre. Je suis vraiment en mode découverte avec vous. J'aime beaucoup le paysage, même si c'est mon avis perso, mais je trouve que ça manque de relief un petit peu. Je trouve que c'est très vert. On a l'impression que ce sont des terres qui sont très très riches. Il y a vraiment une verdure qui est très prononcée, beaucoup beaucoup de parcelles, il y a énormément d'agriculture dedans. Et ça, je vais vous laisser le regarder pendant, allez, là, 600 km. Alors, on n'en a pas pour longtemps, on en a peut-être pour une demi-heure. Allez.
Donc ce que je vous disais tout à l'heure, hein, là on arrive très très clairement dans le centre de l'Ukraine et vous voyez que la taille des parcelles, hein, je suis descendu un petit peu en altitude pour vous montrer parce que en hauteur on voit pas forcément, mais quand vous commencez à voir un petit village avec pas mal de maisons et que vous avez une parcelle à côté et la parcelle fait la taille du village, là ça commence à parler un petit peu plus. Donc là on le voit très clairement, il y a plein de petits villages en fait, il y a pas de grande ville visiblement, enfin... Quand on traverse comme ça au centre, on ne voit pas de très très grandes villes. On voit que des petits villages et des regroupements, et puis surtout de l'agriculture, quoi, de l'agriculture vraiment à gogo. Manifestement, des plaines céréalières, n'en veux-tu, n'en voilà, il y en a vraiment à perte d'horizon. Ça a son charme, ça a quand même son charme. J'adore les petites découpes là, comme on voit l'espèce de petit rapiéçage là en bas. Ça ferait une jolie carte farming, hein, ça. Hein. C'est assez marrant. Je sais pas à quoi sont dues ces découpes. Est-ce que c'est un problème de la carte vue satellite? Ou est-ce que c'est vraiment comme ça? C'est très très curieux d'avoir plein de petites découpes comme ça en plein milieu d'un champ. C'est vraiment bizarre. Je pense plus à un problème de carte satellite quand même. Ça fait vraiment vraiment bizarre d'avoir des morceaux qui sont rapiécés comme ça. Donc regardez un petit peu là. Là on est dedans. Là on est vraiment vraiment dedans. Je sais même pas si on pourrait faire une carte Farming Simulator parce que là on n'a pas vraiment la notion d'échelle. Mais une carte Farming Simulator, en fait, typiquement, vous metteriez deux champs, trois champs. Ouais, là, on voit un petit peu les espèces de découpes dont je parlais, qui sont un peu posées aléatoirement. C'est assez bizarre, quand même. Je pense que c'est l'algo qui fait les maps satellites qui... visiblement, ça, pendant que je vole, en fait, c'est en train de charger en même temps. On voit qu'il y a des petits blocs qui se chargent. Je vole trop vite, apparemment je vole trop vite. Bon après j'ai eu le message d'avertissement hein, dès le début. Hein, dès le début de, j'ai à peine lancé le jeu qu'il me disait déjà que j'avais pas un débit suffisant pour assurer vraiment le vol. Quoi. Bon, c'est comme ça. Alors je ne sais pas quelle est cette ville, alors je ne ferai pas l'accent ukrainien, je ne sais pas comment ça se prononce. Kiro Yorad. Ça a l'air d'être déjà... alors on voit qu'il y a des espèces de carrières, alors ça je me suis aperçu de ça hier, juste en dessous de mon avion là. Il y a plein de carrières. Et hier je pense que j'ai dû passer à peu près dans la même région. Parce que il y avait vraiment des carrières un peu partout. Alors on sait que les sols de l'Ukraine sont assez riches, qu'il y a beaucoup d'extraction de minerais, mais ça se voit en fait. Il y a vraiment des endroits où on voit vraiment des carrières creusées un peu partout. Bon, ouais, en effet, là, je pense que le rapiéçage, c'est vraiment un problème de données. Je vais essayer de basculer sur ma connexion 4G, on va voir. Je vais peut-être tout faire planter, mais... J'ai basculé sur la 4G, on va voir si ça se charge, si ça se charge un petit peu mieux. Je vais bouffer tout mon forfait data, rien que pour vous. Non, parce que ça en dégomme hein, de la donnée. Hein. Tiens, on va mettre un petit coup de contrôle là-dessus. On va regarder un petit peu le débit réseau. À mon avis, je vais pleurer dans deux secondes. Réseau, ah ça va parce que j'avais limité les données. Hop là, j'avais limité les données à 5 mégasecondes et ouais là il fait entre 5 et 10 quoi en fait, il est en train de pomper toute la map, toutes les big maps. Bon je crois qu'il me reste du forfait, alors on va se permettre pour finir le mois d'avoir les plus beaux décors ukrainiens.
D'ailleurs, on remarquera que depuis que je suis passé sur ma connexion 4G, on a plus de... Ah, tiens. Connexion perdue. Non, non, mais c'est bon, il va la retrouver, il va la retrouver. J'allais dire, on a plus l'espèce de phénomène de rapiessage, là, dans les champs. Et là, je vois que sur la partie... Si, sur la partie gauche, là, on l'a, là. On n'a pas toutes les données de carte. Pourtant, je peux vous dire qu'il est en train de... Il est en train de sucer du débit, là. Mais quelque chose de bien. D'ailleurs, ça me fait un peu peur. J'ai peut-être basculé sur mon ADSL. Connexion réussie. Ah, ça y est, il a récupéré. Alors, il va peut-être me charger les maps. Ce serait bien de me charger des espèces de rapiessage un peu n'importe quoi, là, en dessous. Parce que c'est pas trop ça, en fait. Là, ne vous fiez pas à ce que vous voyez en dessous. Hein. C'est pas ça. Non, non, non. On va prendre un peu d'altitude pour voir, pour revoir les vrais morceaux. Et alors, c'est marrant dans Flight Sim, c'est que... justement, moi, là, j'ai ma connexion réseau, donc je vois le débit, en fait, de ma connexion. Et quand j'ai de l'altitude, donc il charge pas trop. J'ai l'impression qu'il... Là, il exploite les données en fait qui sont qui sont installées en fait, des données larges quoi. Et quand on se rapproche du sol, là, on commence à avoir un débit de ouf qui commence à arriver. Là, on voit que la carto est pas précise du tout hein, sur la partie gauche. Bon, on va redescendre parce que c'est quand même plus plaisant. Bon, c'est bien une petite vue d'en haut comme ça, mais... Bon, on comprend un petit peu mieux quand même hein, pourquoi la Russie veut mettre aussi la main dessus. Bon, j'avais dit qu'on parlerait pas de politique ici. Alors, c'est pas une façon de critiquer ou quoi ce qui se passe en Russie et en Ukraine. Mais on comprend mieux un peu les enjeux, en fait, quand on survole l'Ukraine. Hop là. On voit quand même qu'il y a une agriculture qui est tellement présente... que finalement c'est de la terre riche quoi pour la Russie. C'est bon à prendre au niveau enjeu politique, c'est très bon à prendre pour la Russie. Bon, malheureusement la façon de le prendre est très discutable. Allez, je vais redescendre un petit peu, il nous reste 300 km je pense. Dans un quart d'heure on est en Crimée. On va aller faire un petit tour en mer Noire.
Voilà, encore une fois, hein, c'est hyper agricole, c'est plat. Regardez un peu la couleur de la terre. Alors là, je pense qu'on est sur des bonnes données satellites, hein, parce que on a plus l'espèce de défait découpage, donc on doit vraiment avoir les vrais cartos satellites. On a quand même une terre qui est visiblement très très riche, très noire, sans doute très fertile. Et là, ce cliché-là, il est énorme. Là, j'ai mis, ça sera peut-être même ma, ce sera peut-être même ma vignette YouTube, là, parce que là, on voit très clairement que c'est hyper agricole. C'est très agricole, mais il y a pas tant de villes que ça, quoi. On se dit, mais par rapport à nous en Bretagne, on se dit, mais t'as les agris pour exploiter ça. Ils doivent s'amuser quand même. Hein. C'est pas des petites parcelles. Hein. Je sais pas s'ils sont comme nous en Bretagne, s'ils ont un problème d'algues vertes, mais. Ça me paraît un peu vert fluo, là, quand même, au centre. Oh, mais regardez-moi ça. Là, pour le coup, on se croirait sur des cultures à l'américaine, quand même, un peu. Regardez un peu. On va prendre un peu de hauteur. Alors je sais pas, pour le coup, encore une fois, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Est-ce qu'on est sur des vrais cartos satellites? Ça m'en a tout l'air quand même. Avis aux complotistes, hein, non, ce ne sont pas des crop circles, hein, il n'y a pas eu d'invasion extraterrestre en Ukraine.
Alors là, je pense qu'on est en train de quitter l'Ukraine pour arriver en territoire russe. Là, on est en train d'arriver sur la frontière pour aller en mer Noire, sur la Crimée. Et je pense que mon point personnalisé qui est juste devant, là, va me ramener ensuite sur la gauche pour aller sur les frontières russes. Alors désolé de vous éclater les oreilles à chaque détonation, mais ça m'éclate aussi les miennes. Alors c'est assez joli, c'est assez agricole, mais alors ne pensez pas que l'espèce de vert bleu turquoise là qui est en dessous ce soit paradisiaque. Hein. Je pense que c'est plus des marques de pollution des eaux qu'autre chose. Hein. Si c'est vraiment agricole et qu'il y a un usage d'engrais un peu massif. L'eau peut vite attraper cette couleur là.
Bon, on arrive sur le point personnalisé, donc au-dessus de la Crimée, sur la partie plutôt au sud. On voit un petit peu la délimitation, on voit aussi qu'il y a un peu plus de relief là-bas au bout. On va prendre un peu d'altitude pour voir un petit peu le décor, hein, parce que ça a pas l'air d'être très très grand. Je pense que si on prend un peu de hauteur, on va pouvoir voir quasiment tout. Et puis on va remonter donc en diagonale, on va vraiment être au-dessus de la mer une bonne partie du temps. On a 400 km à faire pour aller arriver aux portes des frontières russes. Ouais, on le voit, c'est pas si grand que ça, enfin c'est pas si grand. Vu du ciel, c'est pas si grand quand même. Mais c'est beau. C'est vraiment beau. Et nous, on n'est pas si loin, hein, finalement. Bon, peut-être pas vu du ciel, mais vu de l'espace, hein, on est par là. On est par là au fond, là, j'ai envie de dire. Bon, là, je vais me cracher si je continue à faire le con. Allez, on va se remettre un peu dans l'axe, parce que là, ça commence à dandiner un peu. Je fais un peu n'importe quoi. Allez, je...
Voilà, on arrive quasiment au terme de cette vidéo. Alors, pour info, là, on est vraiment en train de survoler la frontière ukrainienne, la séparation Ukraine-Russie. Alors, ça se voit pas, hein. Comme quoi, peut-être que Monsieur Poutine devrait prendre un peu plus l'avion, voire faire peut-être un petit vol spatial pour voir qu'on est un petit peu tous sur la même terre quand même. Parce que là, très clairement. On est au-dessus en tout cas, on est au-dessus. En laissant la pointe là de la mer sur notre droite. Alors la frontière elle est pas droite, elle est un petit peu biscornue. Mais là je pense que on est. Alors je vais regarder peut-être peut-être sur ma carte VFR, je pense que là on est au-dessus de la Russie, ouais. Ouais, on est au-dessus de la Russie. On est au-dessus de la Russie, on est en territoire russe. Donc on va pas les poser, hein. Au moins c'est bien, vous aurez pas le final avec avec le vrai crash et tout. Je vais pas les titiller les Russes là, je pense que c'est pas trop le moment. On va essayer d'éviter de faire de l'humour à la con, de faire un bruit de crash, un bruit de bombe. Non, pas aujourd'hui, c'est pas le moment. En tout cas j'espère que ce conflit va s'arranger et que y aura une bonne fin à cette merde. Vraiment à cette merde. N'empêche que ça nous empêchera pas de continuer à voler n'importe comment et à visiter le monde par nos propres moyens avec Flight Simulator. Finalement, c'est un bon moyen de voir un petit peu les situations géographiques des pays, voir un peu les ressources de chaque pays, peu importe la situation politique. Guerre, pas guerre, on s'en fout, on prend notre avion, on vole et puis... et puis on peut quand même aller voir un petit peu, alors pas ce qui se passe, bien sûr, on voit pas ce qui se passe en temps réel. Ça ferait même peut-être un petit peu flipper de voir des chars au sol, mais bon. Allez, on arrive au-dessus, je vais pas me poser, je vais couper la vidéo telle qu'elle. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires si vous voulez qu'on refasse un petit vol. Alors ça peut être un vol, pour le coup, pourquoi pas au-dessus de la Russie, si vous voulez qu'on découvre la Russie et voir un petit peu plutôt le nord de la Russie. C'est vrai que... voir un petit peu de paysage enneigé, ça pourrait changer un petit peu, mais en même temps, bon, vu les circonstances, j'ai pas forcément trop envie d'aller en Russie pour le moment. Allez, je vous laisse me mettre la prochaine destination dans les commentaires, et je vous donne rendez-vous très bientôt sur universimu.com. Ciao tout le monde!